capsule santé de la semaine, ici Guylaine, votre hôte. Aujourd'hui, je vous parle de légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est ce qui remplace dans une alimentation végétalienne ou végétarienne, c'est ce qui remplace la viande, les animaux dans votre assiette. Alors, vous savez que les légumineuses ont un haut taux de fibres et de bons nutriments pour vous. Alors, je vous parle de qu'est-ce que j'utilise dans ma cuisine. Alors, j'utilise, moi, tout d'abord, les pois chiches. J'ai les lentilles. Ensuite, j'ai les fèves blanches, les fèves noires et j'ai les fèves rouges. Chacun a sa propriété. Chacun va aller dans certaines recettes. Alors, les fèves rouges, les pois chiches, c'est en fait tous les ingrédients, tous les aliments que nous avons ici. La première des choses qu'il faut faire, il faut les laver. Donc, lavez-les au passoir, en dessous de l'eau, et ensuite, il faut les faire tremper. Il y en a qu'il faut faire tremper une heure, il y en a d'autres qu'il faut faire tremper 12 heures, et il y en a qu'il faut faire tremper 24 heures. Donc, lisez sur les étiquettes ce que vous allez acheter. Ensuite, une fois qu'ils ont trempé la durée qui était demandée, on les fait cuire. Il y en a qu'on fait cuire 30 minutes, il y en a qu'on fait cuire une heure, il y en a qu'on fait cuire 3 heures. Alors, lisez bien les étiquettes quand vous allez les cuire. Et une fois que c'est cuit, ben, c'est merveilleux, on les fait congeler. Donc, vous les mettez dans des récipients et vous les faites congeler. Ben, comme ça, tous les jours, vous avez ce qui remplace votre viande dans votre assiette. Et très important au niveau des pois chiches. Les pois chiches, souvent, les gens qui ont plus de difficultés au niveau des intestins de l'estomac vont avoir de la difficulté à digérer les pois chiches. Mais les pois chiches, ce qui arrive, c'est que le pois en tant que tel, quand il a été trempé et cuit, il forme une particule blanche autour. Et cette particule-là, c'est comme une petite coquille qui se forme autour de lui, blanche. Il faut l'enlever. C'est ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à digérer le pois chiche. Alors, il faut enlever. Donc, vous pouvez le prendre, puis faites ceci comme ça et ça va tout s'enlever. Alors, enlevez ces particules blanches-là et vous aurez de la facilité à le digérer. Alors, c'était la capsule de la semaine. J'espère que vous avez aimé mon astuce. Et nous, bien, je vous dis, on se voit lundi pour la prochaine recette. Je vous fais un pita aux légumes délicieux. Alors, soyez là lundi à l'émission La santé dans votre assiette. Et d'ici là, bien, portez-vous bien et mangez bien.